Ladies and gentlemen, hi, bonsoir. C'est encore nous. Nous sommes venus faire plaisir à une fillette, un enfant. Alors ensemble avec les enfants, nous allons souhaiter joyeux anniversaire et toute la meilleure chose du monde à celle qu'on appelle Acacia. Et je vais inviter avec moi de grandes dames des futurs, des petites filles d'aujourd'hui. Mais elles sont mignonnes, hein? Comment t'as bisous? Alors, je les invite déjà. Venez, venez mes amis. Voilà. Alors, je vais vous demander de m'amener Acacia. Si on peut m'amener Acacia. C'est pas grave, on est là. Vous savez, quand vous faites plaisir à quelqu'un, c'est quelque chose de particulier. Hein? Parce qu'en fait, la vie est très courte lorsque nous avons des occasions pour fêter. Alors, éclatons-nous, fêtons. Comme maintenant, là, nous sommes pendant le moment de couvre-feu. Et je souhaite bonne fête de couvre-feu à toute la République. Si vous trouvez que le feu est trop dur, bonne fête de couvre-chaud ou couvre-haut à toute la République. Alors, je pense que le décor est planté. Hein? Vous pouvez voir si Montréal peut nous montrer là-bas. Je vois les gens sont contents là-bas. Ok. Ça sent les parents responsables, vous voyez. Lorsque les papas de Katubi Kanzian et Nzambi. L'argent. J'allais dire l'argent. Lorsque l'argent est là, bon, ça se sent. Il faut faire plaisir aux enfants. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 20 ans après, ça sera la dot. Alors, si l'enfant voit ce genre de choses, eh ben, il se dira que quand j'étais enfant, alors, mes parents étaient responsables et j'ai bien vécu en tout cas. Alors, moi, les despotes de la tribu des animateurs, je vous souhaite de bonnes choses. Et bonne fête à tous. Dites-moi merci. Merci. J'ai dit bonne fête. Non, c'est l'igré. Non, gratte la fille là. Oh, rabe, bimide. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes en jaune, blanc. Qui peut me dire la couleur jaune signifie quoi? Couleur jaune. La richesse. La richesse. Voilà. Donc la couleur jaune signifie la richesse. La richesse. La richesse. La riche. La riche. La richesse. La richesse. Oh, comment la richesse. La riche. La richesse. La sèche. Bon, voilà, c'est la richesse. Voilà. Alors, et cette couleur jaune est combinée de la couleur blanche. Qu'est-ce que signifie la couleur blanche, chers amis? on verra qui gagnera entre les toutes. Qu'est-ce que signifie la couleur blanche? L'ange. La couleur blanche signifie l'ange. Zéro. La paix. Qu'est-ce que signifie? Quoi? La paix. Blanche signifie? Généralement dans les trucs et tout. Question pour un champion. C'est lui qui gagne, je lui donne. C'est lui qui gagne, je lui donne rien du tout. Il va gagner rien du tout. Celui qui gagne va gagner rien du tout. Qu'est-ce que signifie la couleur blanche? La couleur blanche, c'est la paix. La Bible, 0, 81, 82. La couleur bleue. Oui, dans la foule. La pureté, est-ce qu'on peut acclamer pour le marié? Oh, oh. C'est pas le marié. Comprenez. Voilà, on dit que la couleur blanche signifie la pureté. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que signifie la pureté? C'est quoi la quintessence même de la pureté? Quand on dit pureté, c'est quoi? C'est être pur, c'est comment? Boire l'eau pure. Genre chaude. Non mais qui peut me donner l'idée? Être pur, c'est quoi? Genre Azaël, être pur, c'est. Voilà! Acclamé pour Azaël! Il a dit Andande. Il a dit être pur, c'est Andande. Mais bonne réponse! Bonne réponse! Alors, j'aimerais finir ici. C'est lui qui me donne la bonne réponse. Aujourd'hui, à 21h, il sera parmi les gens qui feront le couvre-feu. Comment s'appelle. Comment s'appelle
que je dise? Oui. Comment s'appelle la première dame de la République démocratique du Congo? Denise Nyanke, machin. C'est lui qui dit son nom au complet. Je lui donne tout du tout. Oui. Maman Denise. Maman Denise Nyanke, tu sais qui? Wow! Tu as gagné quelque chose. Elle a gagné quoi? Elle a gagné quoi? Tu as gagné quelque chose. Félicitations. Tu as gagné quelque chose. Qui peut me dire, la RDC a combien de couleurs? Je répète ma question. La RDC a combien de couleurs? Oui. La RDC a trois couleurs. La RDC a quatre couleurs. Alors, H. Voici la réponse. Oui. La RDC n'a pas de couleur. Ah, quand même pour elle. Tu as 10 sur 10. Alors, cette question vaut 100 dollars. Où est ça d'abord? Dans les rêves, je viendrai vous le donner. J'ai dit, c'est 100 dollars. Comment s'appelle le papa là qui est en lunettes? Qui? Qui? Oui. Papa chéri. Papa chéri. Papa chéri. Papa chéri. Papa chéri. Papa chéri. Voilà, il s'appelle Papa chéri. Papa Cédric. Papa Cédric. Et il dit Papa chéri. Voilà. Alors, qui a gagné les 100 dollars? Moi. J'aimerais terminer par ce jeu. Je vais vous donner le mot. Vous allez seulement enlever les articles. Quand je dis par exemple le papa, vous vous dites papa. Vous enlevez juste les articles. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Essayons. La fille. Fille. Très bien. Très intelligente et intelligent. Non mais la société pour l'anté. J'ai dit la maman. Maman. Très bien. La maison. Maison. Très bien. Le piano. Piano. Très bien. L'école. École. Voilà. Zéro, 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 zéro. École. On recommence. Oui. On recommence. Oui. La photo. Photo. Les drapeaux. Drapeau. La chaise. Chaise. La banane. Banane. L'orange. Orange. L'image. Image. L'église. Église. Bon, on va croire. Les femmes. Le mangue. Mangue. La mangue. Mangue. Les choux. Les choux. Tout le monde, zéro. Zéro. 81. 81. 82. 92. 90. 271. C'est son numéro de téléphone. Alors, est-ce qu'on peut finir avec ça? Oui. Le meilleur élève ou la meilleure élève, je lui donne son cadeau tout de suite. Tout de suite, tout de suite. On est prêt? Oui. Faites comme moi. Vous allez chauffer comme ça. Tout le monde va chauffer. Et quand je vous dis de toucher une partie du corps, vous allez toucher cette partie du corps là. Si vous ne touchez pas ça, vous avez zéro. Prêt, prêt? Prêt. Prêt, prêt? Prêt. Chauffez. Chauffez. Tout le monde, regarde-moi. Ouvrez grandement les yeux. Chauffez. Est-ce qu'on chauffe? Oui. Chauffez, 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 chauffez. Chauffez. Regarde-moi. Regardez-moi. Touchez les yeux. Ok. On recommence. Chauffez. Chauffez. Est-ce qu'on peut chauffer? Oui.
Chauffez. Chauffez. Regarde-moi. Touchez les dos. Est-ce que je peux continuer? Oui. Chauffez. Chauffez. Allez, chauffe, chauffe, chauffe. Il ne faut pas tricher. Chauffez. Touchez les pieds. J'ai un papier, j'ai un problème de papier mouchoir. Qui peut me donner un papier mouchoir là? Alors, très intelligente, voici la première de la classe. On va commencer à chauffer. Toute la salle, on chauffe. On chauffe. On chauffe. On a dit toute la salle, on chauffe. Regardez, regardez, regardez. Moi, je vous dis, touchez la bouche. Alors, ça c'est le dernier jeu. Lorsque je dis un chiffre, vous vous dites le suivant. Genre quand je dis 1, vous dites 2. J'ai dit 2, vous dites 3. J'ai dit 3, vous dites 4. J'ai dit 4, vous dites 5. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. 1, 2. Oh, soyez concentrés. Tout le monde, regardez-moi. Tout celui qui va échouer, il va voir Turbo King. Tu vas jouer. Elle veut jouer. Avec la... Ok, est-ce qu'on est prêt? Oui. Regarde-moi. Quand je dis 1, vous dites? 2. Go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 60. 61. Maman, amenez-moi des turbos pour celui-ci. On recommence? On recommence? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 69, 69. Elle a dit 4. Amène-moi un casier de turbo pour celle ici. Il faut un casier. Alors, je vais vous dire quelque chose. Show me your dancing step. Ça veut dire bonne fête à tous. Merci. Je vous retrouve. On continue la partie B dans les rêves, avant, après le couvre-feu. Alors, dans Tara Montréal, c'était GMB d'Espoir d'Animation avec les enfants. Je pense qu'on va continuer après le couvre-feu. Alors, je te dis, bye, on se voit sur Facebook.